Je suis fondateur de Poietis et initialement j'étais chercheur à l'INSERM. Et au cours de ce passage à l'INSERM, donc j'ai développé et inventé cette technologie de bioimpression par laser qu'aujourd'hui on exploite au sein de Poietis. En fait, Poietis combine des technologies optiques avec de l'ingénierie cellulaire pour fabriquer des tissus de façon reproductible et des tissus complexes. Pour cela, on utilise une technologie très particulière, de façon exclusive d'ailleurs au niveau international, une technologie qu'on appelle la bioimpression assistée par laser. C'est la technologie qui permet d'imprimer des cellules avec la plus haute résolution, avec une résolution cellulaire, ce qui permet de traiter de toute la complexité des tissus notamment. On considère la bioimpression comme véritablement en fait une technologie de rupture au sens où elle donne la capacité aux biologistes, aux cliniciens de fabriquer des tissus complètement personnalisés sur la base d'une conception numérique. Tout ça ouvre des perspectives extrêmement importantes de modélisation, c'est-à-dire de créer des tissus qui vont servir de modèle pour évaluer la toxicité de candidats médicaments par exemple ou d'ingrédients dans le domaine de la cosmétique. Mais aussi des nouvelles possibilités en termes de greffe et donc produire des tissus implantables, complètement personnalisés, utilisant ou intégrant par exemple les propres cellules du patient. Au cours des 4 dernières années, on a déposé plus de 6 brevets qui portent principalement sur le procédé et sur les dispositifs, c'est-à-dire les bioimprimantes dont on commence la commercialisation aujourd'hui. Mon implication porte sur l'identification des éléments clés à développer, notamment au regard des usages. Tout notre travail et mon activité principale est de mettre à disposition des nouveaux outils pour des utilisateurs et donc d'inventer des nouvelles solutions pour eux, pour leur permettre de fabriquer les tissus qu'ils souhaitent. Aujourd'hui, dans notre activité dans le domaine clinique, porte sur différents tissus. Tout d'abord, bien entendu, la peau, mais plus récemment, on a noué des partenariats sur deux autres tissus ou organes. Tout d'abord, le cartilage, et on a d'autres projets dans le domaine cardio pour développer donc des nouveaux tissus qui pourraient permettre la réparation du cœur. L'activité que je peux mener au sein de Poietis est vraiment excessivement enthousiasmante au sens où c'est vraiment la concrétisation d'un long projet qui pour moi a démarré vers 2004-2005. En termes de réalisation, en tout cas pour un chercheur, et je pense que ça dépasse ma propre personne, mais c'est quelque chose d'excessivement gratifiant.